Bonjour David et Jérémy, je remets un témoignage, c'est Bernadette. Un jour j'étais à la plage, il n'y a pas très longtemps, avec Florence qui fait aussi le défi guérison, nous sommes dans la même église. Elle avait une cystite et aussi un ganglion dans la poitrine à cause de la période de la ménopause et qui la faisait beaucoup souffrir, donc j'ai prié pour la cystite, elle est partie tout de suite. Et dimanche dernier, elle m'a dit que le kyste est parti aussi. Et du coup, et aussi, quand on était à la plage ensemble, moi j'avais prié pour tout ça, et elle avait prié pour mes cervicales, parce que je n'arrivais pas à faire plus que ça. Et maintenant, je vais jusque là, parce qu'elle a prié pour moi. Voilà, on était dans l'eau, on a prié l'une pour l'autre, et on a été guéris. J'ai acheté le bracelet guérison, parce que ça me rappelle que ben, Dieu veut qu'on guérisse. Ça me booste. Et je voulais aussi dire que quelque chose de très important pour moi, c'était que quand Jérémy a parlé de la veuve qui avait perdu son mari et à qui on devait prendre les enfants, mais il lui a dit qu'est-ce que tu as, et lui a demandé de remplir plusieurs pots avec un peu d'huile, et que les pots étaient remplis à chaque fois, ça m'a donné beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage, pour dire que c'est pas moi qui fais, c'est l'Esprit Saint, et que plus je vais aller vers les personnes et plus l'Esprit Saint va remplir, et ça m'a convaincue d'avancer encore et de continuer sans avoir peur. Et de merci beaucoup, merci vraiment pour tous ces enseignements, je les partage à beaucoup de personnes, j'ai déjà partagé à 9 personnes, mais je vais continuer. Et merci, soyez bénis puissamment.